Hey, salut à tous les amis, c'est DDR Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien, que ça va extrêmement bien, ça va super les amis. Premier épisode de la semaine, il arrive un peu tard, désolé les amis, je n'avais pas le temps hier. Et donc les amis, et donc nouvel épisode de Pokémon Méga Donjon Mystère. Tout d'abord, merci du fond du cœur à vous tous pour votre patience sur ce jeu. Pour mes erreurs, mon manque de skill, mon manque de compétences. Merci à vous tous pour votre compréhension. Et un énorme coucou et merci aux abonnés que j'ai rencontrés à Paris Manga 2015. Merci. Vous avez, je sais pas, peut-être 100, 150 à me croiser dans le salon. C'était juste énorme. Merci. Donc beaucoup me parlaient de ce let's play, regardaient tous les matins ou tous les jours. Et ça ne dérangeait pas que j'étais signe que ça. Le plus important, c'était de passer un bon moment. Donc, merci à vous. J'étais très touché par vos messages. Tout simplement, je ne veux pas vous le cacher. Hein, j'étais touché, je vous l'ai dit. Donc. Bah merci. Donc les amis, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne en toute sérénité ce let's play du coup. On va faire un épisode assez tranquillou, je vais essayer de pas faire de conneries. Tout à fait comme Lucas des cours. Ok, allez, alors, tac, on va pas aller là. On va aller, on va peut-être aller là du coup. Je voulais aller là où il y avait le plus de missions, mais apparemment ça serait bien ici. Donc on va y aller, tac. Ouais, bon on va aller là, allez. On va commencer normal, voilà. Petit truc normal, quitte à faire plusieurs missions dans la journée. Oh oui, j'avais déjà ça. What? Ah ouais. J'avais pas vu, mais j'ai déjà plein de trucs comme ça. Ok, ok, d'accord, bon. On va prendre ça. Hop, choisir un membre. Et on va prendre Cisa en deux, évidemment. Où est Cisa? Où est notre petit Cisa? Le petit Cisa. Alors, David, Cisa, ok. Voilà, donc du coup, on a Alakazam avec nous. Pourquoi pas? Ah, c'est peut-être pour ça que je pouvais pas choisir ni Alakazam, ni Dracaufeu, ni machin, je ne sais pas. Alors, oui, vous pouvez m'expliquer pourquoi changer de meneur à chaque fois. C'est parce que je cliquais sur les prénoms, donc si je fais ça. Voilà. Merci, tout simplement, merci. Alors, Esprit Tenace, allez, c'est parti. Ok. Donc vraiment apparemment après avoir trouvé tous les trésors de ce jeu, il y a vraiment des mystères et tout à découvrir, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Donc eh bien, écoutez les amis, je pense que ça va prendre beaucoup de temps, mais pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas se faire ça en vidéo. Et si j'y arrive pas vraiment, bah écoutez, faire ça un peu hors cam et vous montrer les meilleurs passages. Donc là ça explique pas beaucoup, mais je préfère vraiment recommencer avec un truc de sérénitude. Voilà. Oh, un petit coffre. Le petit coffre qui fait plaisir. Ah oui, ils sont vraiment nuls. Là, on est vraiment dessus. Hein. On est vraiment dessus. On va échanger ça à la place d'une échappe borne. Allez, dégage. Oh, pauvre truc. Alors, c'est quoi ça? Ah, petite puissance X, ça fait plaisir. Et voilà, on continue. Allez. Champ pierreux, 2. Du coup, on va un petit peu monter en grade. Pas beaucoup, mais c'est pas grave. Ok. Donc, vous m'avez demandé... Ouais, Call Jean, donc Oupa te propose de appeler un ami. Fais-le. Bah écoutez, oui, je vais le faire. Ok. Ok. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a que des résolutions. Ok, donc. Faut que j'arrête de dire des choses comme ça. Oh non. What the fuck? Ah ouais, vénère la Kazam. Ok, bois. Allez. Allez, c'est parti. Donc, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en vacances. Si vous voulez passer bientôt, plein de courage à vous. Il va falloir être patient, mais c'est comme ça, les amis. Après les vacances, vous allez être super content. Moi, je me rappelle quand j'allais encore en cours à l'époque. Hein. J'étais super content qu'il y ait les vacances et tout. J'allais en cours, j'ai arrêté les cours dès octobre. Pour YouTube, hein. Effectivement, je n'avais plus de temps. Mon école était d'accord. C'est même mon école qui m'a encouragé. Donc, voilà. Alors, ouais, ça sert à rien. Oh putain, oui. Oh oui. Cisa a tenu parce qu'il a esprit tenace sur lui. Oh génial. Oh c'est génial. Bronchologie, ouais, allez. Ok, allez. Perfecto. Allez, levez les mains en l'air. Oh, c'est vrai que ça date ce truc. Ah, alors le trésor de Golgopath. Ok. Ah bah ici. Il est là? Mais non. Hop. Combat rapproché. Bon. Pourquoi pas? Le trésor est là. Bon, c'est un petit peu facile, je vous cache pas. Normalement, il y a une autre mission. Et après, mes amis.
Et après, on ira sur l'autre mission, tranquillou, on reprend tranquillement sur une base sereine. Voilà, ça c'est pour me rassurer que je fais ça. Voilà, tranquillou, on est bien, on est posé. Voilà, tranquille, les amis, tranquille, tranquille. Ouais, 30 points, ouais. Non, on va pas sortir. Oh, lourd! Et dire qu'au début, du coup, on devait galérer sur ces donjons-là. On a bien progressé quand même. Hein. Donc, n'empêche que j'ai hâte aussi que mon reptincelle évolue en Dracaufeu. Hein. Je vous cache pas que. Ah, je vous cache pas! Alors, l'épée orange, c'est vachement bien. Tiens, hop. L'épée orange, je trouve ça vraiment super bien. Franchement, ça peut sauver une résugraine et tout, donc c'est bien. On a pris le mauvais chemin, malheureusement! C'est pas grave! Qu'est-ce qu'il fait lui? Bon, bitches! Mais non, ça sert à rien. Ok. 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 Petit Zeblit, Zébibron. Zébibron, Zeblit, Zébibron. Ok. Oh my god. Farfuré, ok. Entouré de coupe-notes et trucs, ok. Bam, bitches! Ah là là! Non, parce que j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui se cache dans le nuage là sur la petite île, enfin la petite carte. Il y a sûrement une île derrière, je me demande ce qui s'y cache. Ouais, je sais pas. Je sais pas, et franchement, j'ai hâte de savoir si on vous mentir. On va la manger. T'as mon gars, on va avoir l'estomac rempli comme jamais. Rempli comme jamais. Bon. Petit clin d'œil à ceux qui connaissent, vous connaissez, hein? Alors. Ça pèque comme jamais. Il est là. Il est là. Ok, bon, c'était très simple, ça n'a pas duré longtemps, c'est très bien. Merci, ça m'arrache de dire, mais je dois avouer que tu m'as bien aidé. L'ombre de lien brille. Du coup, on est connecté à Farfuré. Ok. Et du coup, Skellenox nous a permis d'avoir Ponchien, je crois. Ponchien. Oui, on a quitté. Ok. Bah, ok, tranquille. Tranquillou. Ah, alors. Oh, bon, une petite récompense. Bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Rouf, 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 rouf. Oui, on va se regarder, alors voyons voir s'il va se passer quelque chose. Peut-être qu'un jour on va. Je sais pas, peut-être au bout de 15, 20, 50, 100, 150. Peut-être un truc qui va se passer, hein. Je sais pas, moi. Je sais pas. Ok. Bon, non. Pokémon super motivé! Un Rhino féroce, tiens. Ouais, mais non! Alors. Ah là là là. Qu'est-ce qu'il y a, Négapi? Ah, oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors attendez, parce que ça peut être très important. Non. Ok. Désolé. C'est jamais. Ça peut être très important. Ok, alors je vais mettre ça là. Voilà, mon pote. Et toi là! Toi de me battre, mon gars! Ok. Je dois apprendre à m'éloigner de Posipi pour grandir. Mais non, mon pote! Fais pas ça, gros! Bon, c'est facile, connecter à Negapi. On va chercher notre petite récompense et on va essayer de faire. Ok, moyen des moyens de femelle. Allez, c'est parti. Let's go. Ouais. C'est quoi? Ouais. Ouais, à bientôt, comme tu dis à la voyure. Alors, on va aller. Bon, vous savez quoi? C'est quoi? Allez, on va essayer de gagner un maximum de points. Et on va aller en faire du ça. Donc, du petit nuage, vous l'avez vu tout en haut normalement. Attention au départ. Il passe toujours par le même endroit. Mais ça serait cool qu'il passe des différents chemins. Et t'imagines un jour, genre, il y a un tourbillon, ça nous propose une île secrète et tout. C'est vraiment génial. Un manga, le trajet de malade qui te fait aimer. Wow.
Alors, ou pas? Oui. Voilà, merci ou pas. Et le retour de ou pas dans notre sac. Ok. Ouais, y a rien. Ptera, on a déjà fait. Keklon, qu'est-ce que tu vends? Ah ouais, ils vont être des sales trucs, hein. Merci d'être allé. Oui, c'est celui-là qu'on a sauvé. Et donc, on peut y aller. Et donc, on peut y aller. Alors, on va prendre celui qui a le plus de missions. 3. Très difficile. On va se donner à fond. Allez, on va se donner à fond. Choisir des membres. Dratak. Dracolos. Voilà, un petit coucou à Miss pour ça en plus, voilà. Ok les amis, let's go, c'est parti. On est bien équipé, tout bien équipé, j'ai tout réglé avant, vous inquiétez pas. Alors. Allez. On espère avoir un peu de chance. Alors Porygon, c'est vrai qu'il fait mal, Porygon Z. Ça me va, ça me va. Donc juste qu'à chaque fois que j'équipe la première Ephelite, vous inquiétez pas, je sais que c'est pour Sisa. Ok. Un cocon fort! Ah, oh, c'est pareil, c'est comme dans le dessin animé, il sait faire que le truc de la défense. Ah non. Oh! What the fuck? Comment elle m'a surpris? Ok, allez, c'est bien parti pour le moment. Petit effet lit là. Contamination, pourquoi pas? Non, les filles, j'en veux pas. Tu canailles. Ok, Cube Canaille, j'ai loupé la verte, c'est pas grave. Cube Canaille encore. Dracolos qui est vraiment efficace. Donc il loupe beaucoup ses attaques, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est bien. Chance d'effet. Allez, allez. Non, ça peut être intéressant. Ouais, sur lui, sur Sisa. On est bien, on est très bien, même on est très bien, on est très bien, on est très bien, ça fait plaisir. Oh là 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 là. Bon, tout ça, vous le savez, super critique, l'une de mes effets préférés, hein, je vais pas vous le cacher, hein. Oh oh my god. Oh, c'est génial. J'ai mes deux effets préférés. Tu veux quoi de plus, gros? Il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Ok, alors. Ah, c'est violent. C'est très violent. Ok, est-ce qu'il vend... Oh, oh là 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 là. Est-ce qu'il vend de chaos? C'est bien, si un jour le mec te fait 200 points, 200 points de dégâts et que t'as 100 points de vie, bah va te rester un point de vie pour ne plus être KO. Donc là, il y a le petit marchand. Non, c'est nul. Kecleon, tu vends du bullshit! Oh là là, ça va être relou. Oh là là. Je déteste combattre là-dessus. Allez, bim! Ça, c'est... K... On monte au niveau 28 avec Sisa. Bien, bien. Je dis même très bien. Ok, alors. Oui, merci, merci. Au revoir, Keklon. Merci d'avoir participé à l'épisode. ok, alors. Est-ce que tu vas s'entendre? Oh putain. Oui. On va sauver du coup avec une petite Béoran, une reste du graine. Allez, Dracolos, loupe pas ton attaque, s'il te plaît. Sisa, donne un coup. Ah, la vache. Pas y passer, hein. Allez! Mais sans déconner quoi! Tranquille, tranquille. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, on est serein. On va bien. Ah oui, d'ailleurs, devrait pas tarder à monter de grade. Hein. Voilà. Hop, mais on a que des bonnes éphélites. C'est fou ça. Oh la vache, dommage. C'est pas grave. On a que des bonnes éphélites. Allez, prairie desséchée. Comme ma langue d'ailleurs, desséchée. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ce piège pourri là? Je déteste ces trucs de SRAM, gros. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. Non! J'ai fait le con. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Non, 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 non. Voilà. Boom, bitches! Ça, c'est fait. Double coup plus coup critique. C'est ça qu'on veut. Esprit tenace, tiens. Allez,
Et on progresse bien, hein. On avance bien là, c'est bien ça. Il y a un Pokémon Chaos City. Ouais, faut lui donner une pomme. Ah merde, j'ai pas de pomme. Arrête. J'ai pas de pomme. Oh my god. Alors comment ça va se... Merde, putain. Comment ça va se passer? Désolé. Comment ça va se passer du coup? Je n'ai pas de pomme. Oui. Ça, ça va être compliqué par contre. Effectivement, c'est vrai que j'ai mangé beaucoup de pommes tout à l'heure. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Tu connais ou pas? Est-ce que tu connais? Eh oh! David, la chance. Eh oh! Yes! Un Aurite qui pourra peut-être nous connecter à un Armaldo, si on l'a pas déjà. J'adore Armaldo, ça me rappelle Tempête de Sable. Hein, c'est bon vieux Pokémon fossile qu'on voit presque plus en carte d'ailleurs. Quel dommage. C'est un bon Pokémon Armaldo, j'aime bien. Hein. On est connecté à un Aurite. Sharpedo! Je dis pas non. De 120 points. Non, on va pas sortir. Bah arrête de me proposer ça là. Jusqu'à l'heure où je vais me tromper, je vais cliquer sur oui. Donc les escaliers étaient là-bas. Oh là 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 là, avec le radar au bord, on a pu voir. Il y a quelqu'un par là. Ok les amis, ça va être tendu. Ça va être un piège. Ouh. Ok. Alors, tiens. Bim bitches. Allez, c'est parti. On a... Est-ce qu'on a des explograines là? Voilà, il y en a une là. Manger. Ah d'accord, super, c'est le fail. D'accord, mais je ne savais pas. Bah écoutez, je ne savais pas. Tant pis pour moi. C'est pas grave, au moment maintenant je sais. Je pensais que ça attaquait plus d'une case. Bon. L'erreur est humaine, hein. C'est pas très grave. Ah, ça va pas être si simple que ça. Hein. Wouhou! Ok, c'était tendu. On peut, bah, ça me va parce que j'ai plus de PP en plus, donc nickel. Ah, dommage. Ouais. Pour l'instant c'est bien. Allez. Vache, fais malin. Yes, ça c'est bien. Et un en moins. Et il a la trouille. Oh là là, tout est parfait. Oh là là. Oh là là. Pff. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Mais moi je dis c'est beau les amis. Et franchement l'épisode parfait. Oh l'épisode, l'épisode à voir. Franchement je suis content. Là c'est vraiment le début du renouveau. Ah ça fait plaisir. Franchement je suis content. Franchement je suis super content. Ah ça c'est bien. Oh mon dieu. Oh my god, il y a une tempête qui se prépare dehors mon pote. Wouhou. Ok. Ah ouais chaud. On nous a connecté à tout le monde là. Et grâce à Golemastock. Monarpal. Ok. 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 Pourquoi pas. Mais non mais attendez, oh, on va se calmer là sur les... On se lâche mal gros là, c'est pire qu'internet hein. Ok, oui, on reste là, non. Est-ce que tu m'entends Golemastock? Eh oh. Il y a quelqu'un par là, oh, nickel, juste après. Est-ce que tu m'entends Golemastock? Eh oh. Electek. Oh, il y a un Elekid qui dort à côté, non mais sans déconner. Quoi? Une guérigraine, il veut? Bah arrête. T'allais dire que j'en ai une dans mon... Oh. Ah la chance. Ok. Mais il est puissant ce machin. Est-ce que tu es maintenant... Eh oh. Oh eh oh eh oh. Oh là là.
Malheureusement, la guérigraine, les amis, est sur dans mon coffre, je veux dire. Donc écoutez, Magneto ramasse une guérigraine. Ok. Oula, 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 là, là. Ok, Magneton, où es-tu? Arrête de jouer à cache-cache. Non, arrête. Voilà, par contre, on est full parfait. Ça me fait limite chier d'arrêter ce donjon. Magneton. Magneton. Non, c'est pas Magneton, ça. Bon, bitches. Ah oui, d'accord. Directement, c'est plus efficace. Où es-tu, Magneton? Où es-tu, Magneton? Y'a pas de Magneton ici. Y'a que du bullshitos. Oh, que confort. T'es le pire, t'es le pire. Oh là là, puis alors là, on va vraiment être. Pff. Non, mais là, c'est vraiment abusé, là. Est-ce que tu m'entends, Magneton? Est-ce que tu m'entends, Magneton? Non, mais Magneton! Ouais! Il est là. Là-bas, à droite. Je tue d'abord Porygon Z parce que c'est plus dangereux. Au revoir, merci d'avoir participé. Ok Magneton, merci. Est-ce que tu m'entends Magneton? Peut-être que le plus dangereux c'était finalement Magneton gros. Non, Bouletto, Bouletto, Bouletto. Mais attendez, mais il est abusé ce Pokémon ou c'est moi là? Oui, c'est bon. Tiens mon pote. Ouais. Oui. C'est la hype gros. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà ce qui fait plaisir à Mastouf, effectivement. Alors. Connecter à Mastouf électrique. C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Diamat et Bourabam, il me semble. Pourquoi pas? Pourquoi pas? 140. Il y a encore moins une quête. Non? Bah on sort pas s'il y a encore une quête. Là on en a fait 3 déjà, il me semble. Hein. Il y a vraiment plus de 3 quêtes? Ou on en a fait que 2? Il me semble qu'on en a fait 3, on a trouvé un truc, machin. Donne-lui une pomme. À nouveau, j'espère qu'il y en a encore une à l'étage. Ok, clique, ramasse une pomme. Tant mieux. Remplacer. Hop, nickel. Non, on est vraiment cheaté. La team est vraiment cheatée là. On a vraiment la team cheatée. Boom! Et boom bitches. Allez. Non mais là on est vraiment abusé. Hein. Alors lui il est là. Il veut sa pomme. Ok, donc c'est Tic qui l'a. Hein. Oh mais coconfort! Est-ce que tu m'entends tic-tic? Ok, tic, où es-tu? Où est le tic? J'ai testé comment mon chien avait des tics, mon pote. Je sais pas si vous avez déjà un chat ou un chien. Des fois ils ont des tics, c'est une espèce de bestiole qui aspire le sang, là, que ça fait une grosse boule. Bleh. J'ai testé ça, vieux. En plus mon chat il souffrait, tu vois. Personne touche à mon chat. Enfin, quand j'avais mon chat. L'époque de Bobol. Mon bon gros chat. Il me manque ce chat. J'adorais ce chat. C'était un bon gros chat. Un bon gros chat-chat. Ça me manque d'avoir un chat. C'était mon chat, gros. J'adorais ce chat. C'est un gros chat, câlin et tout. T'as une fois, gros, je me suis réveillé. J'avais mon chat sur les yeux. Il dormait sur ma tête, cet enfoiré. Et je crie, j'étais devenu aveugle. Et je vous promets que c'est vrai. Et quand je me suis réveillé, j'ai fait ah, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et en fait, c'est le chat qui est assis sur moi. Je fais ouh, bon, super, j'avais dormi avec les fesses du chat sur ma tronche. Ok, bon, j'arrête de vous raconter des bêtises. Tac, 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 enfin des bêtises. Surtout ma vie. Empiffle! Ouais! Mange, mon pote! J'ai dit oui, j'ai dit oui. Donc là, on va gagner plus de 400 points. Si ça nous rapporte plus de 100 points, c'est vachement pas mal.
Dis, t'aurais pas autre chose à gré. Oh non. Oh le dalleux gros. Tu veux un kebab aussi gros quoi? Ça se passe comment? Amplifleur et du coup est-ce qu'on est connecté à quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur le chier est tentacruel. Encore? Bah non. Alors là, franchement les amis, c'est vraiment un épisode complet, mais de chez complet, mais de chez complet. Alors là, c'est le sourire mon pote, tu connais, c'est le plaisir. Là, je suis vraiment content, là on progresse vraiment bien, un épisode presque parfait. Beaucoup de plaisir, là je vois mon pote. Tranquillou, sans prise de tête, tu connais, ça fait plaisir. Mais... What? Bon, pourquoi pas, hein. Ok. En plus, on expo bien. Tout est parfait. Ok, brancher les portes. Non. Ok, tant pis. Max Elixir, on va le boire. Du coup, on a trouvé les escaliers. Mais on ne sait pas trop ce qu'il faut faire ici. Donc, eh bien, écoutez, on va voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas eu d'indication. Pour les grosses aides, tu fais mal. Ah merde. Ok, je m'en sors bien. Mais c'est quoi ce délire là? Y'a rien à faire ici, je me suis trompé ou quoi? Allez, Cisa, s'il te plaît. Merci. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Ouais. Nickel. Ce qui est bien, c'est que ça rajoute quand même 10 points de vie en plus, hein. Ça, c'est bien. Ok, au revoir. Combat rapproché. Bon. Boum! Alors, attendez, il y a un truc à gauche, peut-être. C'est génial. Franchement, on est vraiment super bon là. On a toutes les effets parfaites. On est quasiment invincible. Quasiment, je dis. Quasiment! C'est n'importe quoi. Ok, bon, on va aller tout à droite du coup. Mais là, je commence à me dire que j'ai été parano. Lingo! Non. Bon, bah, je comprends pas. Pas compris. J'ai pas compris là, j'ai. Sur le montage, j'ai pas compris. What? C'est quoi ça? Des frais? Ça fait mal. Ça fait très mal. Allez. Mais non, là-bas. Putain, mais lui, il veut s'échapper, hein. Ça, c'est vraiment un sniper. Ok, bah alors là, franchement, je sèche. Hein. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Ou soit il y avait rien, c'est moi qui est parano. C'est possible. Non, mais c'est possible. Ah ouais, mais arrête. Ok, ce que j'appelle un truc rapide. Alors il y a encore un truc à gauche là. Mais non, mais t'es sérieux, j'ai tout fait là. Bah, je comprends pas. Y a rien à cet étage, hein. Bon, d'accord, j'étais parano, hein. Ça arrive. Au moins on a fait toute la map, bon. Vous avez vu l'écran noir ou pas? Electek a attaqué. Elekid a attaqué. Ça a éteint la. Enfin, ça. Ok, le truc t'attaque et ça éteint ta DS, quoi. Bon.
J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. C'est pas grave, j'espère que ça a pas fait planter le truc. Je sais pas. J'ai pas compris. Je sais pas ce que vous avez vu l'écran noir, j'ai pas compris là. C'est le dernier étage. Regardez comment il est bizarre. What? Pourquoi c'est bizarre comme ça? Pourquoi il y a une musique stressante? Ah, c'est bizarre. Mais c'est stylé, j'apprécie. Lingot? Lingot, lingot. Qu'est-ce que c'est que cet étage? On va prendre la pomme au cas où. Changer. Ok. C'est vachement bizarre, hein. Non, on va l'utiliser, ça. Ok. Là, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, sans vous mentir. J'espère qu'il y a un bon truc qui va se passer. Les escaliers sont là. Mais il m'a dit qu'il y avait encore un truc à l'étage. C'est ça que je comprends pas. Lingot. Je ne dis pas non. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Il y a sûrement un mystère dans cet étage. J'ai pas compris. Il y a d'ailleurs un mystère, je sais pas. Un truc qui doit se débloquer au fur et à mesure dans le jeu, je sais pas. Alors là, c'est vraiment le mystère, mes amis. Hein. Le mystère. Alors là, on va essayer de découvrir toute la map s'il y a un truc qui se déclenche. S'il n'y a rien, bah écoutez, c'est pas grave. On partira, mais là, c'est bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre. Aïe. On a faim. On va prendre la pomme. La pomme que j'avais ramassée qui est là. Ok. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Bon bah il y a sûrement rien, je vais tout relier, on sait jamais hein, si ça fait débloquer un truc. Hein. C'est les petits chemins que j'ai pas emprunté, je vais les relier. Et on va voir ce que ça donne. Alors, attendez. Ok. Ok. Puis après ce sera la fin de l'épisode, un petit épisode d'une demi-heure. Pourquoi pas. Hein. Je pensais que Dracolos allait m'aider, c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. Et ça c'est fait, ok. Presque ok. Allez! Qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Ça a raison, je comprends pas. Hein. Je crois que ça sert à rien de tout relier, on va se barrer. Il y a peut-être un mystère quelque part, je ne sais pas. Il y a sûrement un mystère quelque part. Mais je ne sais pas. Là, je sais pas. Très bizarre. Hein. On dirait vraiment un truc où il y a un légendaire ou un mystère quelque part. Bon, vous savez quoi? Je vais tout relier. On sait jamais. On sait jamais. Ça débloque quelque chose. Je n'en sais rien. J'en sais rien, on sait jamais. Je vais pas prendre de risque. J'aurais la flemme de revenir jusqu'ici. Enfin, la flemme est encore. Là, il y a encore un truc à relier. Ok. Et. Shit. Non, Cisa, s'il te plaît, fais pas ça. Mais fais une vraie attaque, Cisa. T'as pu avoir de pépé. Ok. Ouais, même là, au niveau de la bouffe, ça commence vraiment à être tendu. Ok, on va monter là. Je suis en train de tuer tous les ennemis. Oh my god. Alors, ok. Et du coup, le dernier truc. Et malheureusement, rien ne s'active. J'espérais vraiment qu'il y a quelque chose qui s'active. Hein, je vous le dis, hein, j'espérais vraiment. Bon bah tant pis. Bon bah écoutez. Ok. Dernier petit ennemi. Allez, s'il te plaît. Allez. Ouf. La pomme qui va avec.
Bon bah j'aurais tout fait ce que je pouvais. Bon. Bah oui. Bah oui. Et donc écoutez, c'est la fin. Great job. Donc écoutez, là on va voir ce que tout ça nous a rapporté. Ouais, ce qui fait plaisir à Libégon. Pourquoi je comprends pas là? Pourquoi je comprends rien? Pourquoi je comprends pas ce qui se passe? Peut-être qu'il nous avait demandé de finir. Oh, Trioxydre, Charcos, je crois. Et monter de 180 points. Bon bah finalement on a bien fait tout explorer. Bon, sans regret. Une récompense. Ok. On a pas mal pris des points. Ok les amis, bah écoutez, c'est la fin de cet épisode. Pokémon Négation Mystère. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. C'est un immense plaisir de vous le tourner. Sans vous mentir, j'étais super content. Épisode qui se passe à la perfection. Et du coup, on se dit à demain pour un nouvel épisode qui sortira peut-être le matin, peut-être le soir, je ne sais pas. On va aller voir ça demain. Qu'est-ce qui a été mis à jour? Voilà. Allez, plein de bisous à vous. Portez-vous bien. Gardez le sourire, c'est plus important. Bye bye.